Et bonjour, on est parti pour affronter le boss de fin en difficile. Regardez comment on fait. Ça va être très enrichissant pour nous tous. Et par contre, ça c'est enrichissant aussi. Allez. Oui. Comment on joue déjà? J'ai oublié. Ah oui. Donc 1, 2, 3, 4. Hop, on se rapproche. On fait oui. Hop. Non, je me suis pris un coup dans le groin pour rien. Ça enlève quand même 120 PV, hein. 119. Non. On s'en bat. Waouh! C'était pas ça, il fallait que je me baisse. Il fallait que je fasse une glissade. 1, 2, 3, 4. J'adore comme j'ai pas le réflexe d'appuyer sur ZL. Je préfère me double tap. Trop facile le combat de fin. Ce que nous allons voir. Normalement, si on le connaît bien, oui. Il est censé être simple. Juste qu'il faut que je me remémore certains passages. Il y a les passages chez Phyros et après il y a les passages. On devra arriver à Sephiroth là. Sephiroth! Ok. On lui enlève sa cape, du coup il a un peu moins de swag. Par contre la dernière fois je m'en souviens pas. C'était pas ça qu'il fallait que je fasse, mais il y avait de l'idée. Une glissade. Alors je sais pas s'il y a moyen de lui mettre de lourds dégâts quand on fait cette phase là, parce que moi je tourne autour et je lui mets juste un missile de temps à autre. Vraiment il peut faire ça deux fois. Et je suis là. Il est ridicule. J'ai sauté alors que j'ai. Pour une fois j'ai appuyé sur ZL hein. Mais j'ai sauté avant. Donc sauter plus ZL ben ça fait rien. Juste de la merde en boîte. On a perdu tous nos pelles sur quand même juste son petit dash de merde hein. Ça c'est pour le talent. Et vu qu'il va y avoir une phase de redécouverte sur la phase 3. Ça m'étonnerait qu'on la perfecte. Allez, il va arracher son aile. Et après, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un peu un mix de ça en effet de la première phase. Puis.
Ah, le soleil. Le soleil qui... Ah oui. Donc on me disait... On me disait de mourir. On me disait que je peux la nuke. Bon, c'est là le first try. Bon, en vrai, si je la nuke aussi, ça va être trop simple. Il est où le challenge après? Parce que esquiver le soleil, c'est ça la phase intéressante. Pendant qu'on l'esquive lui aussi avec son laser. Avoir tout. Pour l'instant, on a pris tous nos pèves sur le. Enfin, 90% de nos pèves sur le trou noir nul et sur 2-3 mornifs. Il est pas censé faire le moi-ha-ha. Ah bah voilà, enfin, putain. Il doit y avoir des moyens de contrôler la RNG, mais si RNG il y a. Vas-y, redonne-moi tous mes pèves. Stark. Se remettre bien. Peut-être qu'il faut vraiment que je lui tire dessus hein, pour qu'il se dise non mais oh, tout ce que tu me lances c'est inefficace. Ouais, presque full PM. Petite morniflette, je me suis pris sans peine à la gueule. Tout ça parce qu'il a les pieds qui puent, j'ai touché ses pieds. Oui, il fait pas ses ongles, c'est pour ça, mais bon, vous allez me dire ça. Il a des serres, il a pas des ongles. Oui, et alors
Oh, la glissade beaucoup trop tôt. D'accord. Bon, allez, d'accord, tu t'arraches ton aile, on a compris. Sauter mais un peu tard. C'est quoi ça? C'est ça? Ah oui, mais ça il le fait avec le soleil normalement. Donc là il n'y a plus de soleil. Magnifique, magnifique première impression Zatmaz, Zatmax. Bonjour. Tu es là pour te renseigner sur la qualité du Metroid, désolé de te spoiler le boss de fin. Et oui. Ah là, j'ai loupé. Ha, j'ai loupé, je voulais boire mon café. Je peux pas boire mon café contre le boss de fin. Bon après, ce jeu, on n'y joue pas pour son scénario, on y joue pour le gameplay. C'est bon, maintenant je peux boire mon café ? Alors du coup, faut vraiment tout laisser pour avoir la true ending.
Ah, MDR. Et du coup, faut que je rajoute au compteur de mort. Alors, attendez. C'est beau quand même. Je savais même pas qu'on pouvait mourir ici. Et ben voilà, maintenant vous le savez. Moi j'étais parti me faire un toucher rectal. Pourquoi? C'est pas grave. Mais d'accord. Là pour bien s'assurer de sa mort. Hop, désintégration. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'escapade. On a un peu oublié. Du coup, on était dirigé dans le bon sens. Hein? Pas du tout. Si. Non, si. Il oublie qu'on peut casser, on peut tout casser. Speed boost. Bah, il faut savoir à quel moment il y a les vrais passages. Bon, à part en vrai, c'était large, hein, normalement, de ce que je me souviens. Le petit bâtard qui m'aspire. Ah, super. Gauche ou droite ou milieu? Oh oh, c'était en haut à gauche, non? Non, pas du tout. C'est là où c'est indiqué. J'ai déjà oublié, moi. C'est là. Là. J'ai des économies de balles, hein, tu sais, ça coûte cher. Attendez, mais c'était là-bas, mon vaisseau. Ah non, si. Oh bah, tu sais, les animations stylées, on n'est pas là pour ça. Hein. On a d'autres choses à faire. Bon. Alors elle est où cette image de fin différente? La toute fin. L'impatient. Est-ce qu'on peut appuyer sur A pour accélérer?
On va louper le... Ah, on peut skip. Y'a absolument rien qui change. On m'a menti. Ou alors j'ai pas fait le 100% correctement. Ah! C'est celle-là? L'image de fin? C'est Pterodactylus là. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus, il est dans Smash en plus. Ripley. Ridley. Et puis du coup on a les deux quoi, c'est ça. C'est ça, on l'avait eu le dernier coup. Et là, du coup, on voit Dark Samus. Là, on n'a pas mis beaucoup plus de temps pour un 100%, mais on a mis quand même 15 minutes de plus.275 missiles, 15 bombes pouet-pouet. Et on a eu 4 barres de vie en plus. Vous voyez à quel point on est confort. 15 minutes de plus en difficile. Et 100%. Donc ça prouve à quel point on a roulé sur le jeu, évidemment. Ah oui, alors du coup, on termine à combien de morts? Faut finir. Refait en speedrun maintenant. Bien sûr. Alors par contre, du coup, on a terminé avec, si on compte la mort stupide de fin, on a terminé avec 38 morts. 38 morts de décès, on va dire réels, et 19 morts par des ennemis, qui fait du coup 57 morts. Donc ça va. Bon allez, des bisous à la VOD. Je crois qu'on n'aura pas mieux, hein. On n'aura pas mieux sur ce jeu. On s'est bien amusé quand même. Le mode difficile n'était pas pénible, pénible. Vous m'avez entendu beaucoup râler, mais ça, c'est ma façon de vivre, c'est ma façon de jouer. Puis voilà quoi. Après un peu déçu évidemment d'avoir eu la. Si j'avais pas eu le spoil. De péter le soleil. Vous allez me dire, bon, t'aurais pu t'en retenir de le faire alors, du coup, si t'es pas content. Et une fois que tu le sais, t'as envie de le faire. Voilà, le boss devient anecdotique, dit-il, alors que j'ai quand même perdu quelques fois contre, mais le temps de me rappeler, le temps de refaire des timings corrects, et on est bon. Allez, des bisous, et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à dire aussi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes VOD de The Eternal Cylinder. Apparemment, ça marche du tonnerre de Dieu ces temps-ci. Donc, n'hésitez pas. Des bisous et à une prochaine. Tchou tchou tchou.